Salut à tous, de retour dans Call of Duty Cold War et son mode zombie. On va se retrouver à l'occasion d'un tout nouvel easter egg, une toute nouvelle histoire dans le mode Contagion, et on va le voir un petit peu comme le précédent. Celui-ci se déclenche à partir de la vague numéro 3, donc tout de suite on va se retrouver directement à ce moment-là. Autant de vous revoir, équipe d'intervention. Alors, pas de bol, pour la phase numéro 3, je me retrouve au niveau du sanatorium, et il se trouve que c'est là où va se passer la toute dernière phase de l'easter egg, un petit peu comme Ruka avec les silos à missiles. En fait, on ne peut pas trouver de faille rouge qu'on doit... Quel objet qu'on doit chercher ailleurs, donc il va falloir passer à la vague numéro 4 pour trouver notre objet. Alors, on est sur la map d'Alpine. Donc, on est à la phase numéro 4. Et voilà un petit peu l'objet qu'on recherche. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer sur la map du zoo que j'ai fait auparavant, la première fois où on a réussi à faire l'easter egg, où est-ce que je l'ai trouvé. Alors, par exemple, si vous êtes sur la map du zoo, mais là je suis qu'à la vague numéro 2, la faille rouge se trouve ici. Vous avez comme une zone où il y a un ours qui peut séjourner ici, et en fait, au milieu de la grotte, vous avez la faille. C'est-à-dire que sur chaque map, vous allez avoir un endroit où trouver cette fameuse faille rouge. Mais bien sûr, qu'à partir de la vague numéro 3. Par contre, il faut l'attaquer par au-dessus. Pour y accéder, on peut pas grimper. Donc là, on va avoir une succession d'autres failles, il va falloir sauter dedans. Putain, je la voyais pareil. Elle était à la fois loin et un petit peu cachée par les armes. En y allant doucement, on y arrive. Là, il y a un objet qui est tombé, on va le ramasser. Apportez ce dispositif de communication à la balise. On attend des nouvelles de Ravnov. Donc pour ça, il faut avoir fait... l'objectif principal pour pouvoir faire apparaître la balise. Surtout juste après ça. Donc un petit peu comme avec Maxis, on a un téléphone qui apparaît. Ravnov, vous êtes là ? Weaver. C'est bon de vous entendre. Pardonnez le subterfuge, mais les chiens d'Omega sont peut-être déjà au courant de mes mouvements.
Votre équipe doit se rendre au sanatorium. Je vous en dirai plus une fois là-bas. Donc c'est pas de bol, hein. Quand on a le sanatorium à la vague numéro 3. Vous êtes arrivé ? Bien. Équipe d'intervention. Nos actions ont visiblement frappé Omega en plein cœur. Il y a comme un vent de discorde dans leur rang. J'ai été contacté par des scientifiques qui souhaitaient rejoindre Requiem. J'ai organisé un rendez-vous près d'ici, mais ils ne sont jamais arrivés. Je crains que leur hélicoptère ait été abattu. S'ils sont en vie, on les rapatriera. C'est ma parole. Équipe d'intervention, trouvez les scientifiques d'Omega. Une fois sécurisés, on appellera un rapportin pour extraction. Donc t'as trouvé un hélicoptère accidenté. Qu'est-ce que je vais me prendre ? Ça. Je veux. Non, ce qui est pas marrant dans cette map, c'est qu'en fait on voit pas grand chose avec... avec la nuit, c'est pour ça que je me suis pris une lampe torche. Alors là, on peut voir qu'il y a une boîte cassée, ça peut peut-être nous aider pour la phase suivante. En tout cas, c'est là où il y a des boîtes mystères, c'est intéressant. Et là, c'est l'une des positions possibles, de mémoire il y en a trois. Est-ce qu'il me repère de nous ? L'hélicoptère doit pas être loin, voilà, il est là. C'est ici. Il est tout le temps là. Hein. Ah, deux fois. En espérant qu'ils s'en soient sortis. C'est ici. Donc là, on mate. Ce qui nous tombe dessus. C'est pas agressif. Hein. Allô ? Scheiße ! Ravnov, c'est le docteur Hugo Jäger. J'espère que vous ou Requiem trouverez cet enregistrement. On a presque tous survécu au crash. On se rend sur l'île au monument pour tenter d'échapper à Omega. Yeah, je sais, c'est de l'autre côté de la phase. Mais les scientifiques qui m'accompagnent ont créé quelque chose d'incroyable. Un dispositif qui nous permettra de traverser la phase sans mourir. Ou pire, ils n'ont qu'un prototype. Mais ils en assemblent un autre avec des pièces détachées pour que vous puissiez nous suivre. Malheureusement, il nous manque un composant. Un orbe éthéré. Trouvez-en un et amenez-le au pont. Là-bas, un véhicule de reconnaissance légèrement modifié vous attendra.
Dépêchez-vous. Omega a abattu notre hélico, et ils voudront finir le travail. Docteur Jaeger. Je me souviens de lui. C'était quelqu'un de complaisant, mais je lui fais confiance. Et le dispositif dont il parle pourrait grandement intéresser Requiem. Requiem doit absolument mettre la main sur ce dispositif et ses scientifiques. Trouvez l'orbe éthérée, équipe d'intervention. Trouvez l'orbe. Alors, direction le sanatorium. Encore une fois, l'orbe on l'a trouvé au niveau de la piscine. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il soit ailleurs. Donc ça c'est un lieu possible, visiblement. Et on a envie de l'autre. Comment disparaître ? Qui était juste ici, hein, au milieu, et fallait tirer dessus plusieurs fois. Un petit peu comme l'événement où il y a une espèce de petite fille qui pleure, et on l'emmène en fait jusqu'au pont. Alors, je l'ai trouvé, on est en haut à gauche, donc confirmé, il y a plusieurs lieux possibles pour notre Anilorms. Il doit y avoir une boîte mystère pas très loin. Alors effectivement, ici vous avez une boîte mystère, vous voyez une petite peluche. Mais la boîte n'est pas cassée. Donc ça va pas nous intéresser. On peut voir qu'il y en a une au niveau du sanatorium et tout à l'heure il y en avait une sur le parking. Qui semblait en mauvais état. Là, on va continuer à tirer sur nos bornes. On va regarder où est-ce qu'il s'arrête à peu près. On va aller regarder là-haut. Je pense que c'est une boîte mystère. Classique. Ça va être elle. Tourner sur le parking, mais vu dans quel état elle était, je suis bien sûr que c'est celle-là. Par contre, on a pu voir que si c'est elle, on pouvait pas encore interagir ou faire des choses. Ouais, les boîtes sont cassées, maintenant il y a la peluche, on peut la prendre. Attention, phase où ça va souligner un peu.
Nice. Un jouet? Vous pensez vraiment que ça nous sera utile? Là maintenant, on va retourner voir notre orbe. On peut voir qu'on est équipé du lapin qui nous permet en fait d'envoyer une vague, une onde de choc contre nos ennemis, un peu comme le système des terres. On se trouve au niveau du ponton. Il m'a droppé, hein. Décédé. Point doublé. Ça va être intéressant. Très cool hein, d'avoir été se foutre là-haut avec l'arme que j'ai là. Peut-être falloir monter sur les rails hein, putain. Heureusement ils ont tout prévu. D'où le lapin. Ravneuf, Requiem, ici Jaeger. Si vous entendez ceci, c'est que vous avez trouvé le véhicule et terminé le dispositif. Ils ont baptisé ça le neutraliseur des terres. Comme son nom l'indique, il neutralise les particules d'éther présentes dans l'air. La zone autour du dispositif est alors sécurisée, en renforçant la puissance de l'énergie primordiale de l'orbe. Traverser la phase en toute sécurité n'est que l'une des nombreuses applications qu'on peut lui donner. La charge de ce dispositif improvisé devrait suffire à traverser la phase. Une fois que ce sera fait, rejoignez le monument. On sera sur le toit. On attend avec impatience votre arrivée. Les atrocités d'Omega sont restées secrètes bien trop longtemps. On a beaucoup à vous raconter. Bientôt, on changera le monde. Soyez prudents. On n'a aucune idée de ce qui se cache à l'intérieur. On se retrouve de l'autre côté. Donc là, on rentre dans une toute nouvelle zone, hein.
Enfin, l'effet de coincement est toujours aussi désagréable. Ouais, par contre, faut éviter de sortir. Hein. Bien joué. Trouvez le docteur Jaeger et les autres. Une fois tous réunis, j'enverrai Raptor 1 sur votre position. Heureusement, il n'y a rien pour se remettre un peu de blindage. Hein. Le docteur Zarkova m'a donné du fil à retordre. C'était presque honorable. Mais il n'y a aucun honneur à trahir Omega. C'est un acte méprisable commis par des lâches. Quand Kravchenko a su qu'il voulait partir, je me suis porté volontaire pour infiltrer le groupe. Le colonel m'a alors attribué deux tâches. La première, éliminer les traîtres. Facile. Rien qu'une scie et un jerrican d'essence ne puissent résoudre. Quant à la deuxième, tendre un piège à la soi-disant équipe d'élite de Requiem. C'était plus compliqué. Mais heureusement, il est facile de faire s'écraser un hélicoptère quand on a empoisonné le pilote. En ce qui concerne le neutraliseur des terres, rassurez-vous, Omega saura en faire bon usage. Bientôt, on changera le monde, Requiem. Auf Wiedersehen. Dégagez de là. On me rappelle quelque chose, ça. Raptor 1, évacuation d'urgence demandée à la place au monument. Tout de suite. Raptor 1 en approche, accrochez-vous. Pas question que vous mouriez. Le grand gaillard va me faire manger la poussière, les gars. Abattez-le. Putain, j'ai déclenché mon truc trop tôt. Ça va faire du bien. Quand même plutôt des jetons à un moment. Hein.
Rendez-vous maintenant, Kravchenko. Et vos vies seront épargnées. Vous êtes une belle ordure. Désormais, Requiem m'appartient. Et voilà, triste fin, hein, mais bon, ça fait une belle introduction au futur Easter Egg qui arrivera à mi-saison, donc d'ici 3-4 semaines, on va pouvoir avoir la suite de notre aventure. Voilà, on va se quitter en espérant que cette petite vidéo vous aura plu ou que si vous essayez ce nouvel Easter Egg, ça pourra vous aider un petit peu à y arriver. Voilà, très bonne fin de soirée.